Agathe Le Caron visite pour France 3 une région française chère à son invité E dans sa nouvelle émission Chemin de Traverse. Ce mercredi 24 mai, CIST Virginie Efira qui est à l'honneur dès 21h10. Un beau projet qui nous a laissé une impression mitigée. En cette fin de saison, France 3 propose de nous faire découvrir un nouveau rendez-vous, Chemin de Traverse. La promesse est belle, la visite, avec une personnalité, d'une région de France chère à son cœur. Pour ce premier numéro, l'animatrice des maternelles emmène Virginie Efira dans les Alpilles et en Camargue et Télé Loisirs a pu le regarder avant sa diffusion ce mercredi 24 mai à 21h10. Indéniablement, Agathe Le Caron, rarement en solo à la télévision, est le point fort du programme. Conviviale, naturelle et bonne camarade, elle mène ce tête-à-tête avec une certaine fraîcheur, sans exclure le téléspectateur ni se départir de son humour. Un ton conservé lors des retrouvailles organisées pour la comédienne enceinte de son premier enfant avec des personnes connues dans le passé, comme lorsque la comédienne échange en visio avec Yvan, le premier garçon à lui avoir volé un bisou. Chemin de traverse, Virginie Efira confrontée à l'homme qui l'a embrassé pour la première fois, ce fringant quadragénaire belge, aujourd'hui conseiller en pompe funèbre, partage avec entrain ce souvenir, totalement oublié par l'actrice, tandis qu'en arrière-plan trône des urnes funéraires. Une scène absurde, typique de l'humour du plat pays. D'autres anecdotes nous apprennent que Virginie Efira n'est pas la reine de la conduite, j'ai 86 ans au volant, glisse-t-elle avec beaucoup d'autodérision. Ou que sa chanson Plaisir coupable est tirée de la bande originale de Dirty Dancing. Par ailleurs, France 3 oblige, Chemin de Traverse met en valeur les paysages concernés, des Baux de Provence au Marais Salant de Camargue, avec un réel savoir-faire. Chemin de traverse, pourquoi la nouvelle émission d'Agathe Le Caron est un peu décevante? La question se pose de la pertinence d'un tel programme. France Télévisions propose déjà rendez-vous en Terre Inconnue, Nos Terres Inconnues et un dimanche à la campagne sur France 2, initié par Frédéric Lopez, où des invités se livrent loin de leur quotidien. La nouveauté serait plausible si l'ancrage entre Virginie Efira et la région était nourri de souvenirs. Or, il n'en est rien. Si le prologue de l'émission nous annonce que c'est sa région de cœur, le flou reste constant sur ce qui la lie à ce sud aussi éloigné de sa Belgique natale. De plus, le montage brouille les pistes, ce périple opère un circuit étrange entre des lieux que l'on quitte et qu'on retrouve sans grande logique. Par ailleurs, il aurait été judicieux de mentionner que l'animatrice et son invité se connaissent depuis longtemps. Enfin, la plus grande frustration naît des rencontres. L'idée de départ est excellente, mais ses interactions sont trop courtes, 3 ou 4 minutes pour Boris Cyrulnik ou l'auteur Abel Quentin qu'elle admire, pas mieux pour Nicolas Bedos, son meilleur ami, zappé après quelques gorgées de vin. Dommage. À lire aussi J'étais en apnée, Virginie Efira explique pourquoi elle a caché sa grossesse durant plusieurs mois.